Konnichiwa les kibishi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon et aujourd'hui on est en visite d'île. Comme vous pouvez le voir sur le drapeau, eh bien, vous avez le château de Disney et il y a écrit Disney. On est sur une île Disney, je l'ai trouvé sur Pinterest, le code onirique est franchement... J'ai trouvé incroyable l'île. Bref, c'est une île Disney qui a été faite certainement sur le modèle de Disney, Disneyland Resort, donc aux États-Unis. Du coup, ça n'a pas tout à fait les mêmes noms que chez nous en France. Mais en tout cas, c'est très très cool. Franchement, j'ai trouvé qu'elle était géniale, son île hyper chargée. Il n'y a pas un endroit qui n'a pas été exploité. Du coup, dans cette vidéo, on ne visitera pas les maisons et je vous laisserai aller de vous-même visiter les maisons de cette île parce qu'il y a énormément de choses à voir. J'y étais avant, évidemment, parce que c'était un truc de ouf. Hein. Elle est hyper chargée, l'île. Et d'ailleurs, vous verrez que à certains endroits, c'est un peu compliqué. Il faut attendre un petit peu pour que les objets chargent correctement. Mais c'est une dinguerie. Je l'ai trouvée incroyable, cette île, et j'ai hâte de vous la faire découvrir. N'hésitez surtout pas, si vous me découvrez sur cette visite d'île, à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus. Et tout de suite, je vous montre la carte de l'île. Donc, son île s'appelle Cookie. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, quelle est la référence de Cookie et Disney. Mais bon. C'est pas très grave. Du coup, on a trois personnages qui jouent sur l'île. On a Ron, on a Yui et on a Disney. Du coup, les habitants, eh ben, on a George. Super bien choisi, George. Hein, évidemment, franchement, il fait grave. On pourrait dire que c'est Plutôt. Ensuite, on a Capri, il y a Irène, Bouloche, Molly, Matteo, Léa, Viviane, Étoile et Marty. Vous avez son code onirique qui s'affiche juste en bas de la carte. N'hésitez vraiment pas à aller visiter, surtout à aller visiter les maisons parce que du coup, il y a trois maisons sur l'île que l'on ne visitera pas. Et ces maisons, évidemment, sont décorées. Et du coup, bah, je vous laisserai découvrir ça de vous-même. Et ben, c'est parti. Vous allez voir, c'est une dinguerie son île. C'est surtout un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué à visiter. Bref, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On arrive ici à l'entrée, évidemment. Vous savez, le train qui fait tout le tour de l'île, trop cute. Il y a une échelle, on va prendre l'échelle. Il y a quoi? Il y a une tiare de balles de promo, j'en ai déjà une. On a quoi d'autre? Un lance-bulle, on a un ballon. Ah là là, on est à Disney évidemment. Et on a un ticket évidemment pour rentrer. On est à l'entrée, on est à l'accueil. On s'équipe eh ben, du ballon de Baudruche. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop mime, c'est beaucoup trop trop mignon. Regardez cette entrée, elle est trop bien faite. On a évidemment le Dodo Airline qui est juste ici. Ah, c'est très très beau. Hein. Franchement, elle est canon avec le petit panneau écrit Welcome. Du coup, on va partir tout de suite vers la droite. On a vers la droite, vous avez vu de chaque côté les guichets pour pouvoir rentrer bah, dans Disney. Quoi, hein. C'est trop cool. C'est trop 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 cool. Petite plage juste ici. Du coup, les restaurants, on a, je pense, à peu près les mêmes restaurants dans notre Disneyland à nous, Paris. Mais je ne connais pas du tout ceux des États-Unis. J'ai jamais été. J'ai fait Universal Studios, mais je n'ai pas fait Disney. J'aimerais tellement. Ça serait, franchement, je pense, j'adorerais. Ok, on a des petites choses de Stitch ici. Petit thème un peu hawaïen. Voilà, je pense qu'à mon avis, c'est Lilo et Stitch, si je dis pas de bêtises. On a une première maison qui se trouve juste ici. Du coup, je vous laisserai le bonheur d'aller la visiter. Bref, voilà pour cette petite plage juste là. Mince. Le misclic, évidemment, comme d'hab, vous avez l'habitude. Hein, il n'y a plus de surprise. Ok, on va se rediriger du coup vers l'autre côté. C'était juste pour vous montrer la petite plage par là. Hop. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est blindé. Hein. C'est blindé d'objets. Il y a tout qui a été exploité. Et regardez juste derrière. Ah là là, il y a plein de bâtiments un petit peu partout. Enfin, c'est juste complètement oufissime. Son île, elle est hyper bien réussie. C'est... j'avais... Franchement, au début, j'ai commencé à visiter. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai halluciné. J'ai visité son île. Vous savez pourquoi? Parce que je cherchais, en fait, sur Pinterest... qu'est-ce que je cherchais? Je farfouillais, cherchais de l'inspiration. Et je suis tombée sur son île. J'ai fait, ok, elle est claque de ouf, son île. Juste ici,
On a avec des fleurs, des roses. Regardez, c'est le signe, la tête de Mickey qui a été dessinée ici. Je trouve ça trop mimes. Je trouve que l'utilisation des blocs de Mario a été tellement bien pensée, tellement bien utilisée. Franchement, je trouve ça canon parce que ça fait du tout pas du tout Mario. Ça fait très Disney. Ça fait vraiment très 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 Disney. Vous avez vu sa charge, c'est un peu galère. Hein. C'est un petit peu galère. Mais bref, du coup, on va passer par ici. Et là, on arrive, ah là là, sur Main Street. Bon, chez nous, il s'appelle pareil aussi, ça s'appelle Main Street aussi. Vous savez, c'est la grande avenue avec les boutiques sur les côtés. Et du coup, en fait, vous avez les galeries de chaque côté. Alors, attendez, on va attendre que les objets y chargent correctement. Et regardez, vous avez les guichets ici. Hop là, petit restaurant. Et pour rentrer en fait dans la galerie, et ensuite c'est par là, et comme vous pouvez le voir, il y a le bâtiment évidemment, et de l'autre côté, et eh ben c'est exactement fait de la même façon, et donc on arrive sur Main Street, et du coup, ah là là, ça claque, franchement, trop trop bien, et vous avez vu tout en haut, il a mis des canons, les canons à confettis, ah là là, c'est où il y a la parade en fait, franchement, ça claque de ouf, ça me donne envie d'aller à Disney, ça fait hyper longtemps que j'ai pas été, j'y suis allée beaucoup 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 étant plus jeune, et franchement, ça me manque de ouf. Et regardez cet endroit. Je pense que c'est mon endroit préféré de l'île. Évidemment, c'est la robe de Cendrillon. Et d'ailleurs, on ira faire un tour dans sa borne. Comme vous avez pu le voir, il y a sa borne. On va pouvoir se connecter. Et j'espère que la robe y est. Parce que regardez, la robe, elle est magnifique. Même si j'ai mis la mienne aujourd'hui. Regardez celle-là. Oh, elle est incroyable. Elle est magnifique, celle-là. Elle est trop, 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 trop belle. Donc, le carrosse de Cendrillon. Ce petit coin, évidemment, est mon endroit, hein, comme je vous l'ai dit, préféré de l'île, tout simplement parce que Cendrillon, eh ben, c'est mon Disney préféré. Oui. Bah ouais, c'est un peu cliché, mais ouais, Cendrillon, c'est mon Disney préféré. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre Disney préféré dans les commentaires. Du coup, on arrive juste ici. Ah là là, on a l'incroyable château. Regardez comme c'est beau! Oh, je suis subjuguée. J'adore Disney, évidemment. Et franchement, j'ai été, mais... hyper agréablement surprise de cette visite. Regardez ce pont, il est juste, il est magnifique, il est trop 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 beau. Du coup, je vous laisserai le bonheur d'aller visiter cette maison. Oh là là, la couronne à la porte est juste magnifique, c'est super joli. Les motifs au sol, enfin vraiment, tout est très 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 beau. Et en plus, en ce moment, je suis grave dans le thème féerique. Je suis pas dans le thème Disney ni dans le thème des princesses et tout, mais voilà quoi, je suis dans un thème un peu féerique et du coup. C'est vrai que c'est un thème que j'adore de ouf. Hein. Ok, ici on a le bateau à vapeur, vous savez, qui est sur le Mississippi. Et d'ailleurs que vous avez ici aussi dans notre Disney, hein, qui est juste magnifique. Et j'adore faire un tour dessus comme ça. On a une belle vision de plein d'endroits. Et bien dans Disney, j'adore prendre ce bateau-là. Je le prends à chaque fois. Ah là là, on arrive, regardez, It's a Small World. Oh my god. Ah là là, l'attraction. Ah là là, mais oui! Regardez-moi ça, c'est magnifique! C'est magnifique! C'est vraiment super joli. J'avais déjà vu plein de personnes le faire sur Pinterest, mais j'avais jamais visité encore d'île Disney. Je ne sais pas si c'est la plus belle île Disney, mais en tout cas, celle-là, elle est juste magnifique. N'hésitez pas à me dire aussi, si vous aussi, vous avez déjà visité des îles Disney, est-ce que vous en avez vu des plus jolies que celle-là? Je serais hyper contente. Et bien que vous me filiez des codes onériques de d'autres îles Disney, parce que franchement, celle-ci, je l'ai trouvée incroyable. S'il y en a des plus jolies, et ben, je serais hyper intéressée, et ben, d'en visiter d'autres. Et regardez-moi ça, c'est super beau. Franchement, c'est super beau et très, très, très bien fait. On a les petites maisons de poupées qui font les maisons en dessous. Et puis évidemment, juste en dessous, vous avez vu la banquette qui fait en fait, et ben, la barquette qu'on prend, hein, le petit bateau qu'on prend pour faire la visite de l'attraction It's a Small World. Petite allée ici, bon ben voilà, avec les champignons. Ça fait très Alice au Pays des Merveilles. Ça fait très 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 Alice au Pays des Merveilles. Je pense que d'ailleurs, ça doit être un endroit Alice au Pays des Merveilles. Quand vous allez, quand j'ai trouvé en fait son code onirique sur Pinterest, vous avez une carte et tout a été complètement détaillé de chaque endroit de l'île avec des noms spécifiques. Il a fait vraiment un boulot de malade. Il a détaillé vraiment tous les endroits sur la carte. C'est juste une dinguerie. C'est une dinguerie. Je ne sais pas si je la mettrai en minia parce qu'on verra pas très très bien. Mais franchement, c'est juste super, super bien fait. Ok, ensuite on arrive juste ici. Ici, vous avez, il y a un endroit, je ne sais plus comment il s'appelle cet endroit-là.
Donc on a Carsland, c'est un endroit ouais, où il y a les voitures et tout ça. C'est pas très très loin de Space Mountain pour Disneyland Paris. Hein. C'est juste à côté de Space Mountain et d'un sous-marin pour aller. C'est 20 milieux sous les mers, me semble-t-il, qu'il y a dans les parages. Salut Poulage, tutut! Donc voilà, dans le petit coin là, il y a ça. Dans notre Disney, apparemment, et ben voilà, franchement, c'est trop bien fait. C'est super, super bien fait. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, c'est canon. C'est top. Du coup, on va passer juste par ici. Je ne sais pas si on peut passer. Si, 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 on peut passer par là. Ah là, regardez-moi ça. Non, franchement, ça claque de ouf. Ah, je ne peux pas passer, c'est coincé ici. Il y a plein de passages, en fait, qui ont été condamnés pour pas passer, tout simplement. Hein. Je me suis trompée de chemin, c'est par là, en fait. Ok. Oh, bah, attendez, il y a quelqu'un. Welcome home, princess. Oh, c'est trop cute! C'est trop mignon. Il a vu que j'étais une princesse. Oh, il a vu que j'étais une princesse. Ok, on a un petit restaurant ici. Ok, sur la plage, par là aussi. On a un petit coin ici, j'imagine. Petit clin d'œil à Mulan. Très joli. Très, très, très joli. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. C'est canon. C'est vraiment, vraiment canon. Bah d'ailleurs, hein, franchement, n'hésitez pas à vous en inspirer, hein, mais c'est très, très beau, hein. Ok, ici, il a mis son camping. Très bien choisi. Oh! Et ben, est-ce que ça serait pas Space Mountain? C'est pas Space Mountain, c'est le train de la mine derrière. Je pense qu'à mon avis, derrière, c'est le train de la mine. Ouais, c'est ça. Ça doit être le train de la mine. Je sais pas si vous connaissez un petit peu Disney, si vous avez déjà été. En tout cas, ben, le train de la mine, je pense que c'est une superbe attraction. Une attraction que j'adore de ouf. Bref, toujours un plaisir. Oh là là, ça me manque. Ça me donne trop envie d'aller à Disney. Sérieux, franchement. Oh, j'ai hâte que bébé Maeve soit plus grande dès qu'elle a l'âge de comprendre et tout ça. Pour faire les manèges et tout. Je l'emmène direct. Ah ouais, je l'emmène tout de suite à Disney. C'est obligé. C'est obligé. Moi, j'en ai des souvenirs incroyables. Mes parents m'ont beaucoup emmenée à Disney quand j'étais petite. En attendant que les objets y chargent. Et franchement, je kiffe de ouf. Ah là là, il y a une bibliothèque par là. J'ai pas réussi à descendre dans la bibliothèque. J'espère qu'avec vous, je vais réussir à trouver l'entrée de la bibliothèque. J'ai pas réussi quand je suis venue visiter toute seule. Oula! Regardez sur le côté à droite. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le coin Nemo! Ah là là, c'est le coin Nemo ici. Alors attendez. Oui, si j'ai une échelle. Ah, on peut pas descendre, je crois. Attendez, j'essaye quand même. Mais il me semble que je peux pas y descendre. Alors attendez. Ah si! Est-ce que je vais pouvoir passer? C'est pas un peu étriqué? Ah non, c'est... Oh là là, magnifique! Ah là là, c'est beau! Oh, c'est hyper joli! Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas c'est cool. Nous, en France, dans le Disney à Paris, eh ben, pour Nemo, c'est une attraction qui s'appelle Roller Coast. Et en fait, vous êtes dans des tortues. Oui, c'est ça, vous êtes dans des tortues, c'est une de mes attractions préférées, je l'adore de ouf, elle est incroyable, et d'ailleurs je suis déjà restée coincée un jour dans cette attraction-là, petite story time, je suis restée coincée dans l'attraction, et toutes les lumières se sont mises, eh bien se sont allumées, et c'était genre juste trop ouf, parce qu'en fait, eh ben, j'ai vu l'envers du décor, j'ai vu comment était fait le circuit et tout, et franchement, c'était trop trop drôle. Je me souviens, j'étais avec ma petite sœur et c'était trop rigolo. Et on a juste halluciné. C'est hyper intéressant de savoir comment c'est fait et tout. Et franchement, c'était trop cool quoi. C'était trop 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 cool. Voilà, c'était la petite histoire sur une des attractions. Il y avait eu un problème. Il y a souvent, hein, de toute façon, des. Oh, regardez les fast-pass! Ah là là, c'est trop bien fait! Les fast-pass, pour tous ceux qui ne connaissent pas. C'est les petites bornes, les petites machines pour récupérer un ticket et pendant un laps de temps, eh ben, vous pouvez faire les attractions eh ben, genre dans une queue en fait beaucoup plus courte. Ah, ça claque de ouf. Du coup, ici, qu'est-ce que c'est ici? Ah là là, j'arrive pas à savoir. Oh, c'est la jungle. Ah là là, c'est vers Indiana Jones, c'est tout ça? Ah yes! Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense que c'est le petit coin d'Indiana Jones. On va s'asseoir juste ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah ouais! Regardez ça, c'est la jungle. Ah là là, ça claque, c'est très très beau. Hein. Franchement, c'est magnifique. Le petit éléphant toboggan là-bas pour faire genre, il y a un éléphant, c'est énorme. C'est trop rigolo. Miss Click, évidemment, comme vous l'avez bien. Comme vous l'avez compris. Je peux descendre par là? Pas du tout. Bon, est-ce que je vais y arriver? Allez, on veut sortir nous d'ici. Ok, hop là, je vais ranger l'échelle, on n'en a plus besoin, et je veux m'équiper, évidemment, de mon ballon de baudruche. Hop là! Bah oui, regardez-moi ça. Bon,
Allez, on continue la visite. Regarde, franchement, c'est trop beau. C'est trop joli. C'est super bien fait. Salut Marty, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Des gros bisous à toi. On va passer juste par ici. Ah ouais, c'est ça, hein. C'est Indiana Jones, quoi. Avec la tenue derrière. Mais c'est magnifique. Regardez la tenue. La tenue, c'est exactement une des tenues, eh bien, que le personnel a dans Disney, quoi. Hein. Bref, ok, la plage qu'on avait vue juste au départ, qui est juste ici. Je pense qu'on a fini le côté là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'on a fini le côté là. N'hésitez pas, de toute façon, je pense qu'à mon avis, je passe certainement à côté de plein de choses. N'hésitez pas, si vous voyez des petits trucs, eh ben sympa, n'hésitez pas à aller justement. Vous avez une vision différente de moi qui suis en même temps en train de visiter. Du coup, j'ai pas la même réflexion que vous. Du coup, la boutique Nook, elle se trouve juste ici. N'hésitez pas du coup à aller visiter. Ce que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas à aller visiter de vous-même. Et comme ça, vous allez pouvoir voir les petits endroits bah, que j'ai loupés, quoi. On a une petite boutique juste ici. Top. Le motif, franchement, il est très très beau. Le motif du château de Disney est très très beau. Tadam! Oh là, vous avez vu ça? C'est ouf. Il y a tellement d'objets que ça bug et ça a du mal à charger. Bon. Oh! Ah mais oui, c'est le train! Regardez, on est derrière la mairie. Et du coup, on est dans le train. Oh là là, c'est incroyable. Ah oh là là, vous savez, le train qui fait le tour de l'île, évidemment. Qu'on a vu aussi tout au début. Ok, on a fait tout l'endroit là. On va essayer de passer du coup de l'autre côté. Je pense qu'on a vraiment fait tout le côté. Oh là là, la bibliothèque, j'aimerais vraiment qu'on puisse essayer d'y accéder. Je ne sais pas du tout comment je vais faire, mais on va essayer. Hein. Bon, je pense qu'ici, je ne me suis pas vraiment pas trompée. En repassant ici encore une fois, c'est bien un endroit Alice au Pays des Merveilles. Hein. Oh, oh là là, ici c'est beau aussi. C'est trop beau. C'est trop 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 joli. J'adore cette traversée. Ça fait vraiment. C'est trop joli quoi. Est-ce qu'on peut peut-être y passer par. Ah non, il y a une petite pancarte. Est-ce qu'il y a moyen de passer par là? Ah oui! Oh, c'est par ici? Attendez. Est-ce que je peux. Ah oh, oui, ça y est, j'ai trouvé! Ah, magnifique. C'est quoi? C'est une espèce de salle de classe. Petite bibliothèque pour se poser. C'est trop joli. Avec les trucs de peinture et tout. Non, mais ça claque de ouf. Magnifique, j'adore. Oh, ouais, c'est une espèce de petite bibliothèque. Franchement, c'est trop cute. Je sais pas du tout, ça va faire référence à quoi. Ah, peut-être une espèce de petite garderie pour les enfants. Pour les enfants trop petits. Ou genre, si ça les a saoulés de faire le parc. Et que les parents, ils ont envie. Je sais, ça existe? Je sais pas si ça existe dans Disney, un endroit comme ça, genre de garderie un peu. Il y a moyen, à mon avis, ça doit exister. Oh là, c'est un peu bizarre quand même de laisser son enfant ici pendant que toi, t'es au parc en train de faire des attractions. Super bizarre. En vrai, tu vas pour profiter avec tes enfants. Si c'est pour les laisser à la garderie, autant ne pas les emmener avec toi. Hein. Je sais pas. Peut-être les enfants très petits, je sais pas. C'est trop bizarre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop chelou. Les robes, elles sont trop belles. Regardez-moi ça, elles sont magnifiques les robes. Oh, elles sont trop jolies, quoi. Bon, ok, du coup on a fait tout le côté là, on va faire l'autre côté maintenant. Du coup on avait déjà vu un petit morceau par ici. Bon, j'espère que je vais passer à côté de rien. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, ok, ici c'est fermé, on ne peut pas passer par là. Ok, je me suis assise sur quelque chose, je pense. Eh ben, vous savez quoi? On va repasser vers le devant. Oui, je sais, ça fait très bizarre. Ça peut vous sembler vraiment chelou. Mais c'est comme ça quand on a une île qui est très chargée. Eh ben, les objets ont du mal, évidemment. Hein. Et ben tout simplement à charger quoi. Donc voilà, il met du temps à apparaître, mais c'est pas très grave. J'espère que ça vous dérange pas trop dans cette visite. Je trouvais qu'elle était tellement incroyable cette île qu'il fallait absolument que je vous la montre. Regardez-moi ça, tous les motifs. C'est juste une dinguerie. Elle s'appelle Disney, me semble-t-il, si je me souviens bien. Ah ben elle parle en anglais. Thanks for visiting Disney. Merci. Et ben, de rien, avec plaisir. Un petit cadeau juste ici. Est-ce qu'on le ramasse? Oh, venez, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, on va l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? C'est un arbre. Je pense qu'à mon avis, il m'était peut-être pas destiné. Il était peut-être juste par terre pour être par terre. Mais bon, c'est pas très grave. On a une plage juste ici avec eh ben, un petit restaurant où tu peux. Il y a plein d'endroits comme ça dans Disney avec des fontaines où tu peux te poser et tout. Donc voilà. Bon bah pour tous ceux qui connaissent Disney, vous savez, hein, des petites machines à barbe à papa un peu partout. Pas de barbe à papa, de pop-corn surtout. Il y a des machines à barbe à papa, je suis pas sûre. Hein. Certainement, certainement, mais moi ce dont je me souviens plutôt, c'est plutôt les machines à pop-corn. Il y en a plein, plein, plein partout. Bon, par ici, il n'y a pas d'accès, on ne peut pas y accéder du tout. Du coup, il me semble qu'il y avait un tuyau. Ah, il est là!
Il y a un tuyau, il faut qu'on le prenne. Il faut qu'on prenne le tuyau qui est juste ici. Ah non, on n'arrive pas au bon endroit. En tout cas, on arrive. Oh si, attendez! Ah là là, il y a le coin Indiana Jones, je sais pas si vous voyez. Il faut absolument qu'on arrive à y accéder. Ah là là, ça y est! Le coin Indiana Jones, regardez cette dinguerie. Oh, une dinguerie. Magnifique. Quelle bonne idée d'avoir retourné les tombs pour pas qu'il fasse trop Mario et qu'il fasse. Et ben qu'il fasse Indiana Jones, quoi, mais qu'il fasse. Regardez ça. Oh, c'est incroyable, j'adore. C'est magnifique. J'adore cet endroit-là aussi. Oh, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Franchement, je trouve que c'est un des endroits les plus beaux de l'île. C'est super bien fait. Avec le trône en haut et tout, franchement, c'est incroyable. J'adore. Je suis trop, trop fan. Je suis vraiment, vraiment, trop, trop fan. Il y avait cet endroit-là, ce côté-là qu'on n'avait pas fait. Du coup, je me souvenais plus. Mais oui, effectivement, il fallait qu'on prenne, eh ben, le tuyau pour pouvoir y accéder. Et du coup, hop là. Non, en fait, il n'y avait pas besoin de prendre le tuyau. Vous savez ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on reprenne le tuyau. Mais oui, il faut qu'on reprenne le tuyau. Ouais, on est déjà passé par ici. Eh ben, vous savez quoi? On va reprendre le tuyau. Et ça va nous emmener quelque part d'autre. Ah, enfin! Vous savez, comme il y a plein de tuyaux sur son île, c'est aléatoire où vous arrivez. Et du coup, on arrive, ça y est, enfin, je reconnais l'autre côté de l'île. On arrive, eh bien, dans Pirates des Caraïbes. C'est juste une tuerie. Cet endroit-là aussi est magnifique. Regardez-moi ça, les canons. Et regardez de l'autre côté de l'île. Mais c'est juste. J'ai pas les mots parce que franchement, cette île, elle est vraiment, vraiment très, très belle. J'ai hâte de vous lire. Pour tous ceux qui ont déjà visité d'autres îles Disney, si vous trouvez une île plus jolie que celle-ci, qui a été mieux réalisée, je suis trop preneuse. Vraiment, partagez-moi les codes onériques de d'autres îles Disney, parce que franchement, celle-ci, je la trouve vraiment oufissime. Je la trouve oufissime, quoi. Vraiment. Regardez ça. C'est trop, trop beau. C'est super bien fait. On a le côté là où on peut faire, où il y a des spectacles et tout. Franchement, c'est canon. Bref, on arrive. Alors attendez voir, on peut pas passer par là. Ah non, on peut pas passer par là, dis donc. Eh ben c'est pas grave, on va passer par ici. Ok, ça y est, je reconnais. Ah là là, regardez. C'est le coin d'Halloween, enfin le coin d'Halloween, le coin de la maison hantée, juste ici. On va attendre que les. Voilà, regardez ça. Oh, j'ai hâte d'être à Halloween. J'adore, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je suis très très fan d'Halloween. Regardez-moi ça. C'est canon. Est-ce que c'est canon ou pas? Sérieux. Cette île est incroyable. J'arrête pas, je vais pas arrêter de vous le dire, mais franchement, je fais très rarement des visites d'île. J'en fais très peu et je fais vraiment uniquement les visites d'île qui me font flasher. Et cette île, j'ai totalement flashé dessus. Il y a une autre maison. J'espère que vous allez y aller pour la visiter. Franchement, regardez-moi ça, c'est une dinguerie. C'est trop, trop, c'est canon. C'est vraiment, vraiment canon. Alors, du coup, on va passer, on va essayer. Ah oui, il y a le musée plus bas. Je ne sais pas si on peut passer. Oui, on peut peut-être descendre par ici. Je me souviens plus du tout. Oui, on peut descendre par ici. Du coup, on a le musée qui a été placé juste ici. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce coin-là? Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je dirais peut-être un coin un peu. C'est peut-être encore un peu Indiana Jones. Ça fait un peu jungle encore. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Mais ouais, ça me fait encore penser à la jungle hein, ici. Hein. Ouais, ça me fait encore penser à la jungle avec le globe comme ça et tout. Ouais. Franchement, le petit perroquet et tout. Moi, je dirais que c'est encore Indiana Jones par là. Hein. Ok, j'ai cru voir. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a des boutiques. Magnifique, regardez ça. Oh, c'est canon. C'est canon, c'est méga canon. Ça fait comme une espèce de petite fête foraine. Regardez-moi, oh là là, ça claque. Ah là là. On a un coin comme ça un petit peu aussi. Hein. Et ben, vous savez quoi? C'est dans le village de Disney que c'est comme ça. Juste avant, en fait, avant de rentrer dans Disney, quoi. Ah là là, évidemment, regardez-moi ça. Hello! Tellement kawaii! Regardez ça, c'est trop délire. Ouais, je suis déguisée en mini. Oh my god, ça claque de ouf. Hein. Je suis trop heureuse de faire cette visite d'île et de vous la faire découvrir. Ok, on a un petit coin. Oh, la Belle et la Bête. Magnifique. Attendez, parce qu'il y a un endroit ici. Je pense qu'il y a le coin là. Qu'est-ce que c'est ici? Qu'on n'a pas pu. On n'a pas été ici.
Alors attendez, on peut passer par là? Ah non, on peut pas du tout passer. Eh ben, va falloir qu'on passe de l'autre côté pour pouvoir accéder à cet endroit-là. J'ai trop envie d'aller voir qu'est-ce que c'est là ici. Attendez, parce que j'ai pas vu, je connais pas du tout cet endroit-là. Et j'ai visité des endroits là, j'ai découvert des endroits que j'avais pas visités hein, lors de ma première visite. Alors attendez, ah c'est un coin Star Wars. Ah là là, je veux absolument aller voir le coin Star Wars. C'est quoi, c'est Space Mountain? Énorme! Regardez, c'est des Stormtroopers! C'est énorme! Oh purée, c'est génial! Ah, oh, c'est super bien fait! Oh, et ben vous savez quoi, je l'avais pas du tout vu cet endroit-là. Je n'ai pas du tout vu cet endroit-là. Ok, et ben ici on est au niveau de Space Mountain. Qui c'est qui aime Space Mountain? Moi, j'adore. Oh, qu'est-ce que c'est derrière? Oh, j'ai pas vu ça, dis donc! Oh, mais c'est une dinguerie! Ah là là, j'avais pas vu ce côté-là du tout. Ok, des bornes d'arcade ici. Ok, franchement, c'est canon. On va descendre direct. Énorme. C'est un bar. Ah, j'aime trop cette musique. On voit pas hyper bien, on voit pas très très bien, mais regardez. Oh, c'est énorme. Attendez, si je me mets en mode appareil photo. Ah là là, regardez ça. C'est une dinguerie. Oh, attendez. Je vous refais bien le plan. Ah là là, regardez-moi ça, c'est canon. Nanana, j'adore cette musique en plus. Bon, attends, tut-tut. Magnifique. Regardez ça. Oh, ah là là, incroyable. Incroyable. Bref, bon, on va sortir d'ici. Du coup, qu'on refasse tout le tour. Ouais, bon, vous savez quoi? On se retrouve de l'autre côté. Ok, on se retrouve ici. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide, hein, parce qu'autrement, c'est trop le bazar. Ok, on a le coin, évidemment. Et ben, Belle et la Bête. Magnifique. Très bonne idée d'avoir fait ce coin-là sur la plage. En vrai, franchement, ça me choque pas du tout que ce soit sur la plage. Je trouve ça même cool. Et ben, toujours la Belle et la Bête, hein, ici avec Gaston. Ah là là, c'est magnifique. Le petit bar de Gaston, là où ils sont en train de chanter et tout. Oh, c'est canon. Non mais c'est vraiment vraiment canon. J'ai pas arrêté tout le long de la vidéo. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Hein. Et là on arrive, j'avais déjà vu ce petit coin-là. On arrive eh bien chez la petite sirène, chez Ariel. Magnifique, regardez ce palais, il est trop beau. Avec Kéké des îles. Regardez ce. Ah mince, regardez ce palais comme il est incroyable. Il est magnifique. Il est petit, il est juste parfait. Petit palais, mais magnifique. Magnifique de chez magnifique. Et du coup, est-ce qu'on va pouvoir monter juste ici à l'étage? Je pense qu'à mon avis, c'est peut-être le seul petit coin qu'on n'a pas encore visité. Ouais. Petit coin pirate. Et est-ce qu'il y a des choses par ici qu'on peut peut-être essayer de voir? Ah ouais, regardez, je me suis fait un petit raccourci. Ah, il y a quelqu'un d'autre, c'est Ron? Non, c'est pas Ron. Là, c'est Yui. Have a magical day. Merci! Passez un jour magique. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ok, ça c'est la maison de, c'est la maison d'étoiles. Et ça c'est la plage, l'accès à la plage de Runar. On a un peu coupé et tout. Regardez-moi ça, j'ai un peu triché. J'ai un peu triché par ici, mais bon, comme ça au moins on visite un peu partout. Qu'est-ce que c'est ici? Non, ok, ça c'est le bateau. Ok. Eh ben, je pense qu'on a visité quasiment toute l'île, à part évidemment les maisons. Je pense que je suis passée à côté de rien du tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai loupé des choses, des endroits où on aurait peut-être pu y passer. Parce qu'avec votre vision, quand vous allez regarder la vidéo, eh bien, vous n'aurez pas du tout la même vision que moi. Ah là là, franchement, cette île est incroyable. On va finir cette visite juste. Ah non! Vous savez quoi? On se retrouve sur la place de la mairie. Et comme ça, eh bien, on regarde dans la borne si on peut récupérer des motifs. A tout de suite! Ok, en faisant le chemin retour, je suis passée vers un petit coin dans une petite route qu'on n'a pas vue ensemble. Et eh ben, c'est pas très grave. Je pense que ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir vous aussi aller découvrir ce petit endroit-là. C'était sympa. Rien d'incroyable. Mais voilà, c'est un petit chemin qu'on n'avait pas encore fait. Du coup, voilà, c'était cool. Alors, c'est parti, on se connecte à la borne. Oh my god, j'espère qu'on va découvrir la robe. La robe, elle était trop belle. Franchement, elle était vraiment trop trop jolie. J'espère qu'elle y est. Ça serait trop trop trop. Je serais trop heureuse de pouvoir la récupérer. À mon avis, oui, hein, je pense qu'à mon avis, il y a tous les motifs qu'on a retrouvés sur l'île. Bah oui, regardez-moi ça. Oh,
Ah, c'est superbe. Regardez, il y a le château et tout. Attention. Allez, la robe, la robe, la robe. Ah non, il n'y a pas la robe. À mon avis, c'est une robe qu'il a dû récupérer. Je vais essayer de la trouver parce qu'elle est vraiment très très belle, cette robe. Elle est vraiment. Après, j'ai jamais cherché non plus, quoi. Très très mignon. On a toutes les petites tenues de Disney et tout. En tout cas, si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à vous connecter à sa borne. Franchement, son île, elle est incroyable. J'espère que vous allez être nombreux à retourner la visiter, à aller visiter surtout les maisons. Moi, j'ai pas encore le temps, franchement, si je visite les maisons, eh ben, la vidéo, elle va durer 100 ans et c'est pas le but. Le but, eh ben, c'est de vous faire découvrir un maximum de choses, mais vous donner aussi envie d'aller visiter cette île. En tout cas, eh ben, vous savez quoi? Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette visite vous a plu. En tout cas, moi, je vous redis encore une fois, je l'ai trouvée incroyable. Et si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus. Et moi, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo ou sur un live. Des bisous les kibichis!